Bonjour à toutes et à tous, c'est Yuncard. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je refais une vidéo d'impulsion turbo et je pense que ce sera la dernière de cette série. Voilà, j'étais en magasin puis finalement j'ai craqué. Je me suis dit voilà, il manque pas mal de cartes de cette série. J'avais tellement envie d'essayer, enfin surtout voilà au niveau des rares. Donc j'ai acheté 2 méga Léviathan Shiny et vu que pour moi les Luxray turbo étaient les plus chanceux, j'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5 et 6 boosters Luxray Turbo. Alors, espérons que voilà ma théorie était juste. J'ai pris que des Luxray. Bon après voilà, un booster reste un booster je présume, mais pour voilà, si ma théorie était juste, les boosters chanceux seraient ici. J'ai réussi à en trouver plein. Donc espérons tout cela. On va commencer avec les Mega Levator Shiny et on finira avec les Luxray. C'est parti. Donc oui, je pense que de cette série, ça sera la dernière ouverture. Parce que après bon je vais avoir beaucoup trop de doubles et puis c'est pas ce qui me passionne plus que ça. J'attendrai par contre avant de faire une réouverture de Yu-Gi-Oh! J'ai vu qu'en avril ils allaient sortir le Millennium Pack, pardon. Donc je pense que je rouvrirai un peu de Yu-Gi-Oh! À ce moment-là. Voilà. Donc on commence avec Grenousse. Mélofée. Kaninos. Soporifique. Krixic, énergie spéciale, Simularbre, Tierno, ceinture furie combative en reverse et on finit avec Zeblitz en rare. Donc voilà, je passe un peu vite puisque vous avez déjà vu cette série. Je pense que voilà, ce qui vous intéresse le plus, je suppose, voilà, c'est les codes online surtout et puis voir un petit peu une ouverture et voir également bah, les rares que je peux obtenir dans ces boosters justement. Mais voilà, toutes les communes, il me semble qu'on les a déjà à peu près toutes vues. On a à peu près fait le tour. Voilà, il me semble la série fait à peu près 100 cartes. Donc bon, il n'y a pas non plus full à regarder, quoi. Staris. Rapion. Chlorobulle. Ratata. Chamallow. Croporale. Ballon explosif. Lien spirituel Léviator. Oh, Aquacoque Turbo. Aquacoque Turbo, bah voilà, ça fait plaisir. Dans le deuxième booster, Léviator Shiny. Le Aquacoque Turbo, je l'avais pas encore eu, j'avais eu que des Céliandres en turbo. Aquacoque Turbo, donc voilà, ça fait super plaisir. Voilà, en bleu. Donc ma couleur préférée que bah, j'ai l'Aquacoque en bleu. Ça fait super plaisir. Parfait. Et on finit avec Luxray en rare. Voilà, le Luxray que je n'avais pas encore eu. Parce que le Luxray en rare, je l'avais pas encore eu. Et donc ça fait super plaisir. C'est génial. Aquacoque Turbo et Luxray en rare. Donc voilà, avec, comme quoi, en persévérant un petit peu, on obtient des choses différentes. Donc bon, on va commencer avec le premier booster Luxray. On verra voilà, si ma théorie était juste. On va savoir tout ça. Hop, le petit code online. 1, 2, 3, 1, 2. Donc si je fais ça, c'est pour préserver un maximum de suspense. Parce que la meilleure carte sera généralement ici. Ou comme la turbo, bah, elle est avant, mais ça, voilà, on peut pas trop le prévoir. Puis, il n'y a pas non plus full en turbo. Donc voilà. Monorpal, Quanton, Lixi, Chamallow, Zébibron, Croporale, Ballon explosif, Lien spirituel Léviator, Miamiasme en reverse, et on finit avec Fragilei en rare. Donc le premier booster n'était pas ça. Espérons avoir plus de chance dans les autres. Donc voilà, oui, je reprendrai sûrement le Yu-Gi-Oh! Que à partir du Millennium Pack, puisque tous les nouveaux boosters qui sortent, c'est vraiment pas mon kiff. Là, en plus, j'essaye un peu de me rattraper, voilà, parce que je suis un peu déçu de ma dernière vidéo que j'ai faite, où voilà, elle était pas mal dans l'obscurité. Voilà, donc j'espère pouvoir me rattraper. On avait Soporifique, Fluvetin, Tritonde, Mélofée, Germignon, troisième œil du kinésiste, un seul lourdeau, Luxio, Cricknut en reverse et Luxray en rare de nouveau. Donc je l'avais pas eu la preuve, enfin dans mes deux ouvertures ou trois ouvertures que j'ai faites. Et finalement là on l'a en deux fois. Comme quoi c'est bizarre. Il nous reste quatre boosters Luxray. Avec celui que je tiens, bam. Allez, espérons un petit peu de chance. Il nous faudrait au moins une ex ou une full art. Ça
Ça ferait au moins plaisir. Sur les 8, Venalg, Starry, Rapion, Chlorobule, Ratata, Cocotine, Énigme du Temps, Pifeuille, Electek en reverse, et on finit avec Meganium en holographique. Une petite holographique, pourquoi pas. Le Meganium en plus, voilà, j'aime beaucoup ce Pokémon, ça fait plaisir. Je le voulais en plus, j'avais regardé voilà, un peu la série, ce qu'il y avait à l'intérieur. Je le voulais, donc ça fait super plaisir. Hop. Et il nous reste à présent 3 boosters de Luxray Turbo. Tac, tac. On va voir si on pourrait obtenir une petite full art ou pas le cas ex comme je vous avais dit dans la dernière vidéo. Ça ferait super plaisir. Le petit code. Tac. 1, 2, 3, 1, 2. Soporifique. Chlorobule. Krixic. Pandespiègle. Rapion. Cryptero. Potion Max. Ceinture Furie Combative. Corayon en reverse, et on finit avec OOX. Oh, c'est génial. Ah, c'est génial. J'ai déjà eu le OOX dans la dernière ouverture en full art. Donc, que vous pouvez aller voir. Et aujourd'hui, j'ai le OOX, donc 100% neuf, vous voyez. OOX. Parfait. Ça fait super plaisir. Ah, c'est génial. Donc bah, finalement voilà, je suis bien content des Luxray parce que c'est eux qui m'apportent le plus pour le moment. Voilà, la pioche est assez chanceuse. Donc ça fait plaisir. Malgré quoi là j'en ai eu une bonne quand même dans les Léviator Shiny. Le seul dans lequel j'ai trop rien eu, il me semble, c'était les Amphinoid Biturbo. Donc après, simple hasard ou prédéfini, je ne sais pas. On continue avec Shaglam, le petit chat. Ça fait plaisir. Très mignon. Cricknut. Germignon. Tritonde, Fluvetin, Énergie Spéciale, Simularbre, Tierno, Caninos en reverse, une très belle carte, voilà, un petit chien-chien, j'aime bien. Et on finit avec Tangalis en rare, que je n'avais pas encore eu également. Tangalis en rare, pourquoi pas. Et on finit avec le dernier booster Luxray Turbo de cette série, parce que je pense pas en ouvrir d'autres. Voilà, la série, j'ai fait à peu près le tour. Voilà, bon, j'ai pas eu non plus toutes les rares que je voulais, comme le Palkia X ou des Full Art ou Dark Ray X ou Dark Ray Full Art. Mais bon, après, voilà, je vais pas m'amuser non plus à faire le tour et puis avoir 50 000 communes de la même série. Donc, je vais m'arrêter là. Corayon, Coiffarelle, Grindur, Miamiasme, Electek, Tierno, Lacmessigne, Serfrousse, Dimoclès en reverse, et un petit peu de suspense. Oh oui, il y a quelque chose derrière. Il y a quelque chose derrière dans le dernier booster, ça fait plaisir. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a derrière. Allez, dites-moi quelle carte vous pensez qu'il y a derrière dans la série. Voilà, si vous connaissez un peu, sans tricher, écrivez-la dans les commentaires. Voilà, ça vous fait plaisir. Dites-moi, vous pensez qu'il y aurait quoi? Je sais qu'il y a quelque chose derrière, mais je ne sais pas la carte. Allez, sans tricher. Darkrai X Full Art. J'en parlais, il faut que je l'aie. J'en parlais, c'est parfait. Darkrai X Full Art. Ah, ça fait plaisir. Dans le dernier booster, 100% neuf, Darkrai X Full Art. Oh, c'est génial. C'est génial. Ça fait plaisir. Donc voilà, un petit résumé de mon ouverture. Tac, tac. Bon, on commence avec le Tangalis en rare que je n'avais pas eu. Le Luxray que je n'avais pas eu également. Donc, bah, à présent, j'ai toute la famille et je le trouve assez stylé. Voilà. Tac, donc que j'ai eu en double. Le Aquacoque Turbo, qui est vachement stylé également. Très belle couleur, voilà, un bon mélange. Ça fait super plaisir. Le Meganium en holographique que je voulais également. Je voulais absolument l'obtenir aussi. Je le trouvais vraiment pas mal, voilà, une belle illustration. Donc je suis assez content. Dark...
On va faire par ordre. Le OOX. Donc, vu que j'avais eu le Full Art, là j'ai le OOX. Ça fait super plaisir. Et on finit avec le Darkrai X Full Art, quoi. Darkrai X Full Art. J'ai au moins eu ma Full Art que je voulais. C'est génial. Génial. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, n'hésitez pas toujours à me l'écrire dans les commentaires, si elle vous plaît. Comment je peux m'améliorer? Voilà, dites-moi, je ferai un maximum d'efforts. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à liker, à vous abonner pour suivre mon actualité. Vu que voilà, je sors des vidéos un peu comme je peux. Donc voilà, merci, à très bientôt. Bise!